Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec GMK. Vous avez fait une première vidéo où il débattait sur les gens qui confondent gentillesse et faiblesse. Et on pouvait constater que déjà, ça l'avait beaucoup touché. Cette fois-ci, il lance un débat sur la méchanceté gratuite sur les réseaux sociaux. Il se fait clasher régulièrement en commentaire, sans aucune raison. Pourtant, ceux qui le suivent pourront confirmer, GMK donne une très bonne image de lui sur les réseaux sociaux. Mais bon, après ça reste mon avis. Allez, je vous laisse découvrir les images. N'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire. Bonne vidéo à tous. Ministre écologie. La dernière fois, on a parlé des gens, tu sais, qui confondent gentillesse et faiblesse. Maintenant, j'aimerais parler des gens qui pratiquent la méchanceté gratuite. Ça veut dire, en fait, ils sont méchants avec des gens qui ne leur ont rien fait pour des raisons qui sont inconnues. Pourquoi, en fait, vous en voulez à certaines personnes ou vous êtes méchant ou impoli avec ces gens-là alors qu'ils vous ont rien fait et eux-mêmes sont respectueux envers vous? Tu vois, c'est ça la question. Je comprends qu'il y a une certaine haine des influenceurs, entre guillemets, en tout cas de certains. Mais aujourd'hui, ce qui est triste, c'est que dès que t'as, on va pas dire t'es connu, parce qu'on va pas se mentir, on est ni artiste, ni chanteur, ni acteur de ouf, machin. Tu vois, on est des influenceurs. Donc, on n'a pas un talent particulier, mis à part présenter des voitures ou ce genre de choses. Pourquoi pas, à partir de là, dès que t'es un peu connu, entre guillemets, t'as des gens qui sont méchants gratuitement? C'est-à-dire que vraiment, les mecs, on dirait ils t'en veulent, on dirait tu leur as fait du mal, on dirait tu les as maltraités, tu vois. Moi, par exemple, il y a des mecs, ils lisent mes vidéos et ils me mettent « Ouais, mais on s'en fout, tes vidéos, elles sont nulles, on s'en fout complètement. » Mais juste, je comprends, je dis pas que ce que je fais, c'est la guerre. Mais pourquoi, à ce moment-là, tu vas ouvrir ma vidéo? Juste passe à côté, frérot. Moi, il y a des gens, j'ai pas envie de voir ce qu'ils font, je clique et qui n'est pas intéressé, ça me l'enlève, le mec, ça y est, je vais pas ouvrir, commenter, lui pourrir la vie, tu vois ce que je veux dire? Si j'aime pas, je regarde pas, ça y est, le mec qui fait sa vie, je fais la mienne. Adios.